D'habitude, je ne vois pas bien les champignons, puis là. Bon, Laetitia. Vivre ensemble, c'est un peu ce qu'on fait. Hein. Oui, tu dors chez moi une à deux fois par semaine, je dors chez toi une à deux fois par mois, la vie à deux, quoi. Enfin, on n'est pas un couple, on est un attelage. Arrête avec ça. Hein. Non, je négocie plus, Alex. Je veux une réponse. On vit ensemble, oui ou non? Vous vous dites pourquoi il hésite? Il est con. Non, mesdames, messieurs, je suis un expert. Je me suis plus fait larguer que le champion du monde de parachutisme. Et j'ai compris que l'amour, c'est comme la moquette. Ça s'use. Laetitia, je l'ai rencontrée l'année dernière. Un taxi qui connaissait pas la route, un mariage, une porte fermée. Et moi, avec mes questions débiles. Excusez-moi, vous êtes du mariage, là? Non, 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 je suis en panne des voitures. Parce que la porte de l'église est fermée, c'est normal? Ah non. Non, non, c'est pas normal. On a appelé la gendarmerie, le curé est devenu tout bizarre, une sorte de crise mystique. Il retire toute la noce en otage. Ah bon? Non, il est sur le côté droit à l'entrée. Merci. De rien. Je pense à un truc. Si j'arrive en plein milieu du mariage, ça la fout mal, non? Je sais pas, j'ai pas trop d'avis, là. Mais en même temps, si j'y vais pas du tout, ça la fout mal aussi. Ah, possible, ouais. Mais si j'y vais pas du tout, ça la fout peut-être plus mal que si j'y vais qu'à moitié. Parce que les gens, on sait jamais comment ils vont réagir. Ou bien j'y vais, ils le prennent mal, ou bien j'y vais pas, ils le prennent mal aussi. Bah allez-y. Ah bah je comprends pourquoi tu es en retard, mademoiselle. Lui, c'est Jacques, mon éditeur. Un garçon charmant, cultivé, délicat. Tu vas rire, y a pas de commodité dans l'église. Tu peux pas aller faire ça ailleurs. Quoi? Il est bien cet arbre? Tu me présentes? Jacques Joussaume, mon éditeur. Bonjour. Bonjour. Et lui, c'est un écrivain prometteur. Prometteur dans le sens où il promet depuis 6 mois son deuxième bouquin que je ne vois toujours pas venir. Ah, bah, c'est mon père. Au revoir. Attendez. Tenez, c'est mon premier roman. Voilà. Ah, d'accord, La Table d'Ébène. Merci. Vous en prie. Au revoir. Non, on s'est même pas présenté. Alex? Quand elle est partie, j'ai eu l'impression qu'elle me quittait. Alors qu'il s'était rien passé. J'étais amoureux. Je me suis pas présenté. Je m'appelle Alex Caillard. Alex Bayard est non, en dé... Caillard. Ah, pardon. Alex Caillard est en dédicace au premier étage de votre librairie pour son premier roman, La Table d'Ébène. Je mène une existence tranquille d'écrivain à succès. C'est pour une amie hospitalisée. Ah oui. Vous pouvez écrire de la part de Bernard-Henri Lévy pour Suzanne. Enfin, surtout une existence tranquille. Pour Suzanne, Bernard-Henri. Voilà. Merci. C'est précisément au moment où je commençais à plus penser à elle qu'elle est réapparue. Bonjour. J'ai jamais été aussi nul. Bonjour. On se connaît, non? Oui. Attendez, me dites pas votre prénom, ça va me revenir. Ah non, non, ça va pas vous revenir parce que je vous l'ai jamais dit. Laetitia.
Laetitia, voilà, exactement le prénom que vous n'avez jamais dit. Moi, j'ai appris que vous dédicaciez votre livre. Et vous êtes montée de Provence, juste pour ça? Oui, 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 je suis arrivée ce matin à 5h pour être sûre de ne pas vous louper. Non. Non. Bon, bah, vous me le dédicacez? Oui. Laetitia. Quand un écrivain rencontre une femme et que cette femme n'a pas... Pour Laetitia, amicalement, Alex. Voilà. Oui, c'est un métier. Oh bah putain, t'en as vendu 3? Clémentine, une amie. Il s'est jamais rien passé entre nous. Laetitia, célibataire, il s'est jamais rien passé entre nous. Non plus. Là, ça se voit pas, mais j'ai peur. Comme quand mon père a enlevé les petites roues arrière de mon premier vélo. Je peux vous poser une question? Oui. Pourquoi votre héros, il cherche la table d'ébène? Mais parce qu'il a fait l'amour avec cette femme sur cette table. Oui, mais pourquoi il cherche pas plutôt la femme? Parce qu'il recherche l'amour absolu. Ouais, enfin, c'est intriguant quand même, un homme qui préfère les meubles aux femmes. C'est autobiographique. Non. Enfin, comme disait Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Et la table, c'est vous. Ah. J'aimerais avoir votre avis. Elle, c'est Madame Tanaka. Goûtez-moi ça. Elle a beaucoup d'humour. C'est quoi le truc blanc tout mou, là? C'est du chien. Enfin, Madame Tanaka, c'est interdit de cuisiner le chien en France. Mais c'est du pitbull. C'est pas autorisé, le pitbull? Mais non. Petite blague de bienvenue pour votre avis. Oh. Je suis désolée. Non, c'est pas grave. Oh, pardon, vous voulez? J'essaie d'arrêter. Vous aimez le piano? Comme meuble? Si vous voulez, je peux vous jouer quelque chose. Ah ouais, c'est quoi votre répertoire? Alors, ici, j'évite le pont de la rivière Kouai, question de diplomatie. Par contre, je me défends pas mal sur Bach. Ah. Madame Tanaka, je peux? Un freestyle des contrats. Bach. L'important dans le piano, c'est le doigté. La souplesse du poignet aussi. Je vais essayer. À vous pianoter. Moi aussi, j'adore Bach. Laetitia, c'est la femme de ma vie. Elle n'est pas comme les autres. Elle me comprend, me protège. Elle est ma petite lumière. Je l'aime. Je veux pas la perdre. Et la meilleure façon de la garder, c'est le célibat à deux. Chacun chez soi, et on vivra heureux. Il faut que je reste ferme et déterminée. J'ai pas le choix. Alex, on vit ensemble, oui ou non? Oui. Eh merde. Oui. Après un an, ça me semble normal. Oui. Comme un vrai couple, quoi. Voilà. Lundi 8h? Lundi 8h.
Lundi 8h. Lundi 8h. Disons 10h. Lundi 8h. Disons 10h. Vivre ensemble, c'est un peu ce qu'on fait. On vit ensemble, oui ou non? Mais enfin, on n'est pas un couple, on est un attelage. On vit ensemble, oui ou non? Oui. Bonjour mon amour, tu as bien dormi? Me dis pas qu'il est déjà lundi 8h. Si, il est même lundi. Pourquoi tu parles comme ça? Qu'est-ce que t'as fait de ma collection de figurines? Poubelle. Quoi? Goldorak? Poubelle. Mais t'as perdu le sens des valeurs? Poubelle. Alex, mon amour. Laetitia? Alex, mon amour, c'est le début de la vie à deux. Le changement. Par la boule jaune. Tu as adoré la nouvelle vie. Pourquoi tu parles comme ça? Ouais. Ouais, salut, c'est Clem. Ouais. Ça te dit une piscine? Non, chez moi, j'ai pas la place. Bon, allez, rendez-vous dans 30 minutes. Oh. Oui? C'est Jacques. Ouvre. Qui ça? Bon, là, j'en ai marre. Marre! Je te téléphone, tu réponds pas. Je te mail, tu réponds pas. Je te faxe, tu réponds pas. Il faut que je t'envoie un pigeon. Il est pas là, Alex. Là, tu me mets dans une merde noire. Un an et demi que mon boss t'a donné une avance. Si dans un mois, j'ai pas ton bouquin, je saute. Mais Alex m'a dit de jamais ouvrir aux inconnus. Bon, ben, dites à Alex que je suis passé. Oui, je lui dirai. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Je vous en prie, monsieur. Non, mais je comprends pas pourquoi tu paniques. C'est tout à fait naturel, vouloir vivre avec la personne qu'on aime. Ouais, bah moi ça me fait peur. Tiens, sur tes bras, ça va te dénouer. Je suis pas noué. Mais t'as peur de quoi exactement? L'usure du couple dans le quotidien. Oh, mais attends, mais ça c'est des clichés, oh là là. Mais quoi des clichés? Mais attends, c'est connu, hein, le sexe au bout de 3 ans, c'est la Corée du Nord. Non, mais écoute, au bout d'un moment, oui, l'amour se transforme. Mais il y a la tendresse, il y a la complicité. Mais je pète la gueule, moi, la complicité. Je veux de l'exaltation, je veux que ça vibre. Oh, mais ça peut pas vibrer tout le temps, au bout d'un moment, les piles, ça s'use. Enfin, ça c'est une image. Mais vraiment, tire sur tes bras, t'es noué. Non, ça c'est pas noué. Je sais quand je noue et quand je dénoue, et là je noue pas. Non, mais t'es nerveux quand même. Bon, j'en ai marre, je rentre. Ouais. Et t'es noué, hein, je t'assure, t'es noué. Je vous ai regardé nager tout à l'heure. Vous avez une bonne tonicité. Moi? Manu Riva. Comme la chanson d'Alain Chamfort. Alex, comme un bout de la chanson de Claude François. Alexandrie, Alexandre. Vous venez souvent ici? Je travaille ici. Je donne des cours et je prépare le championnat de France de natation synchronisée. Ah d'accord. Salut Manu Riva. Je vous dérange pas? Si. C'est qui ça? Alex, tu vas au judo ce soir ou tu rentres direct à la maison? Judo? Non mais tu me dis parce que sinon je vais au cinéma avec Laurent, c'est pas un problème. Ça t'arrange, hein? Merci. C'est Rudy, mon ex. Ne plaît, il arrête pas de me harceler. Il voulait absolument qu'on habite ensemble. Faut pas savoir ce que j'ai inventé pour pas que ça se passe. Genre? Oui? C'est Alex. Ah, Jacques, il est pas là, hein. Il a demandé de pas ouvrir aux inconnus. Mais ouvre, ça se fait pas de laisser un pote sur le palier. Pourtant, chez toi, c'est super à la mode. Tu m'en perds les yeux. Faut que j'écrive ce livre. Mais pour l'écrire, j'ai besoin que tu sois plus présent. Ah. Et pour ça, je me demandais si ça serait pas la super idée que tu viennes habiter chez moi le temps que je le finisse. Que j'habite chez toi? Voilà. Quoi? À moi? Ouais, voilà. Pour que je te coach? Voilà. C'est quoi la vraie raison, Alex? Laetitia m'a posé un ultimatum. Elle vient habiter chez moi à partir de lundi 8h. C'est ça où elle me quitte. Je suis pas prêt. J'ai besoin de réfléchir. Ah oui. Et donc tu t'es dit, si l'autre truffe est dans les murs, elle sera obligée d'attendre. Oui. Ça marchera pas. Pas avec elle. Ou alors, j'ai une autre solution.
Tu viens habiter chez moi parce que t'as besoin de la présence de ton meilleur ami. Parce que tu fais une dépression. Si je prends dépression ? Et non ! Donc c'est non. Jacques ? Jacques ? Je t'en supplie, Jacques ! Viens vivre avec moi ! Bon, bah, très bien, comme tu voudras. Je finirai par mon bouquin et puis toi, tu seras viré. Tu sais que c'est du chantage, ça ? Peut-être. Tu crois que c'est avec le chantage que tu vas rentrer là-dedans ? Chez Quick ? Mais non, là ! À l'Académie française, mon garçon ! Bon. Si j'accepte, c'est pour que tu finisses ton roman. Mais je te préviens, je suis sur ton dos jour et nuit. Alors ? Ok. C'est un bas de livre ? Tout à fait, tout à fait. Nous avons un très grand choix d'huile. Celle-ci, par exemple, favorise la régulation des triglycérides. Oui. Elle est très bonne aussi pour le système cardiovasculaire. Elle hydrate le corps et la peau. Et l'hirondelle, c'est un oiseau. Ah, elle est super. Je l'adore. Ouais. C'est toute simple. C'est idiot, c'est bon. On m'a raconté une l'autre jour. C'est un... Ça va ? Tiens, mon portable. Ah, merci. Alex, je te présente Pierre-Yves. Pierre-Yves Alex, mon nouveau directeur commercial. Bonjour. Ça a l'air super poilant, la direction commerciale. Non, c'est parce que je raconte une plaisanterie à Laetitia. Ah ouais ? Laquelle ? Ça m'intéresse. J'aime bien rire. Bon, le point commun entre une commode et... Une hirondelle ? Il n'y en a pas. La commode, c'est un meuble et l'hirondelle, c'est un oiseau. Je suis toujours un petit peu conne, cette vanne. Non, je trouve ça drôle. C'est décalé, c'est très anglais. Bon, on arrête de décaler, on y va ? Bah, t'attends deux secondes. Vous êtes écrivain, c'est ça ? Ouais, ouais. Entre nous, ça doit pas être facile d'en vivre, hein ? Ça... Un job à côté ? Oui. Je bosse au Galeries Lafayette. Il y a BHL au rayon lingerie. Et puis tous les midis, je déjeune à la cantoche avec Jean d'Ormesson. Excusez-le, hein, il arrête de fumer, alors du coup, ça le rend un peu... Nerveux. Non, con. À demain. À demain. Il t'a demandé de venir vivre avec toi. Eh ben oui. La dépression lui est tombée dessus d'un coup, comme ça. Paf. 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 Il savait plus à quelle branche se raccrocher. Ah, toi, du coup, t'as fait la branche. J'avais pas le choix. Mais pourquoi toi ? T'es pas son seul pote ? Ah si, Jacques et moi, on est comme ça. Je suis Lin, il est Liang. T'es le Ping, il est le Pong. Ouais, je suis le Clique. Oui, bah ça va, j'avais compris. Au nom de notre amitié, est-ce que j'avais le droit de lui dire les yeux dans les Alors, yeux ? Alors le problème, évidemment, c'est nous deux. Qu'est-ce que tu veux dire ? Vivre ensemble ? Et si Jacques est chez toi pendant un mois, ça va pas être possible. Ah non, il est hors de question que tu viennes pas, hein. Jacques ou pas, tu viens vivre chez moi. On fait comme on a dit. Ah ouais ? T'es sûr de toi ? Ah oui. Ah, puis tu sais, on sera pas trop de deux pour s'occuper de lui, hein. Mm-hmm. Non, le plus dur, c'est quand il se met à pleurer sans raison. Hé, hey, tu devrais peut-être y aller. Enfin, je dis ça, c'est pour Jacques, hein. Non, ça va. Je dois aller le chercher chez lui dans une heure. C'est pas un peu trop déshabillé, ça. Tu peux pas juger, faudrait que tu te déshabilles. Si c'est pendant que Jacques est chez toi, c'est peut-être mieux qu'on se voit pas trop. Pourquoi tu dis ça ? Bah, je sais pas, j'aimerais que tu sois plus proche de lui pour l'épauler. Comme ça, il s'en sortira plus vite. Oui, mais tu sais, un dépressif, ça a besoin d'être seul. Hein ? Oui. Alors ça vient quelquefois que je laisse pour que je couche, que je dorme chez toi. Ah non ! Non, t'es responsable de lui. Écoute, on va attendre qu'il soit guéri, puis après tu t'occuperas de moi. Hein ? Jacques, je peux te poser une question ? Oui.
Pourquoi t'as pas laissé Eugène chez toi? T'es complètement irresponsable, c'est un gosse. On laisse pas un gosse tout seul. C'est pas ce que je voulais dire. Lucie, t'es content d'être là, Eugène. Hein, Eugène, t'es content d'être là? Pourquoi on doit vivre dans cette maison pourrie? Parce que tonton Alex veut pas vivre avec tata Laetitia. Allez, avance. Alors là, vous avez le canapé, hein, c'est un converti pour le couchage, touche pas, c'est fragile. Bien sûr. Non, pour Eugène et moi, ta chambre, ce sera très bien. Ah non, justement, j'avais plutôt pensé au... Oublie, j'ai un standing. Non, plutôt, tu seras bien, là, regarde. Hop, tu te réveilles et directement à la table de travail. Là, faut ranger, c'est un peu le bordel, là. Je vous montre la cuisine. Arrête. C'est ça, allons faire un peu de tourisme. Eugène. Alors, là, t'as tout ce qui est haricots verts, les petits pois, le riz, les pâtes... Mais pourquoi tu nous montres ça? Bah, pour vous nourrir. Comment ça, pour nous nourrir? T'as jamais vu une cuisine? Si, on en a. Qu'est-ce qu'on fait dans une cuisine? On fait à manger. Papa, il fait livrer. Papa, il fait livrer. Bon, je te montre quand même pour le petit-déj. Donc là, t'as le café, le thé, le sucre, le miel, les céréales. Mais dis pas que tu te fais livrer le petit-déj. Fauchon, tu es jeune et pas difficile, hein. Édition Gold. Ah, merci. Dis-moi, t'as rien dit, Alex, hein? Ah non, jure. Est-ce que t'as eu des nouvelles de Jacques? Jacques? Mais ouais, je l'ai vu recevoir une fois de chez Marion. Il a une patate, ce mec. Il a tellement la patate qu'il a demandé à Alex de l'héberger parce qu'il était un peu dépressif. Ah. Ah bah, maintenant que tu le dis, c'est vrai que... il avait la patate triste. Non, mais te casse pas, Clem, j'avais compris. Je voulais juste vérifier. Non, mais écoute, il faut pas que tu t'emballes, hein, Merci pour le disque. Laetitia, Caviar? Petit déj? Phosphore, c'est bon pour Eugène. T'attends quelqu'un? Bah non. Eugène? Bah non, papa, j'ai pas encore de vie sociale. Hein. Ouais. Ah, Laetitia. Ouais. Oui, je t'ouvre tout de suite. Jacques, c'est Laetitia. T'oublies pas, tu es dépressif. Dépressif. Il va pas bien. Bonjour, Jacques. Bonjour. Je sais que tu traverses une période difficile. Tu dois gravir une montagne. Il faut que tu saches que tu as deux piolets pour t'aider. C'est Alex et c'est moi. Mm-hmm. T'as envie de pleurer? Si ça fait du bien, pleure. 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 Bonjour Laetitia. Bonjour Eugène. Bonjour monsieur. Jacques, va te reposer. Ah oui. T'es pas sérieuse? Ah bah si, j'ai réfléchi. Non, je m'en veux, j'ai pas le droit de te laisser tout seul avec Jacques. Laetitia, tu mesures pas ce que c'est que de vivre avec un dépressif. Mais si, je mesure très bien et je t'aime et je veux pas seulement vivre les bons moments avec toi, mais aussi les mauvais. Non mais attends, on avait dit que tu viendrais chez moi dans un mois, quand Jacques serait parti. Excuse-moi. Non mais de toute façon, c'est sûr que vivre à quatre chez toi, c'est pas possible. Évidemment. Toi, t'as besoin de calme pour écrire. Ouais, j'ai besoin de calme, de beaucoup de calme. Jacques, il a besoin de calme pour se soigner. De calme, de beaucoup de calme. Et moi, je peux laisser la boutique et prendre des vacances. Pourquoi tu dis ça? Bon, tu te rappelles de Pierre-Yves, mon directeur commercial? Vous avez un job à côté? Monsieur Gourmette.
Oui, bah, monsieur Gourmette, il a une maison en Normandie à Ouistreham et il veut bien nous la prêter. C'est super gentil, non? Super gentil. Ouistreham, c'est hors de question. Je suis un pur parisien, moi. Je supporte pas la campagne. Je supporte pas la mer. À la montagne, s'il n'y avait pas les soirées raclette, je tiendrais pas. Un mois. Je te demande pas la lune. Un petit mois, putain. On va pas au bagne. On va dans une résidence secondaire en Normandie. Écoute-moi bien, je ne vois qu'une solution. Tu lui dis la vérité. La vérité? Mais si je lui avoue que je lui ai menti, mais elle me quitte. Et moi, je meurs. Tu comprends? Je meurs. Je peux pas vivre sans elle. Bah pourtant, il me semble que c'est ce que tu essaies de faire. Tu peux pas me faire ça. Écoute-moi bien, là, c'est l'ami qui te parle. Tu recules l'échéance, mais dans un mois, il faudra que tu décides. Si tu ne supportes pas de vivre avec elle, il faudra rompre. Autrement? Autrement? Autrement, t'es qu'une merde. Heureusement que c'est l'ami qui me parle. Eugène, tu laisserais tomber ton meilleur pote, toi? Se servir d'un enfant pour ça, c'est minable. Allez, bien, Eugène. Bonne journée, monsieur. Allez. Je peux très bien changer d'éditeur. Alex, c'est pas mon meilleur copain. J'en ai plein d'autres, des copains. Meilleur qu'Alex. J'ai le droit de le laisser tomber, je fais ce que je veux. Pierre-Yves m'a dit que la maison, elle était magnifique. On s'en est au bord de la mer, c'est très très calme. Tu fais combien ton réservoir? Ah ça, je sais pas. La pompe numéro 8, il faut appuyer sur la gâchette. Monsieur, en violet. Pouvez-vous appuyer sur la gâchette? Merci. D'éternité. Oh là là, ce que c'est calme. Effectivement, pour être calme, c'est calme. C'est beau. C'est calme. Qu'est-ce que tu fais? Paris me manque. Pas mal. Et la mer commence à me taper sur le système. Tu tiens bien la dépression. Par contre, fais attention, quelquefois, t'en fais un petit peu trop. Faut que ça s'arrête, Alex. Bon, dis-moi, Jacques, t'as lu? Alors, t'en penses quoi? C'est consternant. T'aimes pas tes personnages, c'est laborieux, c'est nul. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. J'arrive pas à écrire. J'ai trop de pression avec Laetitia. C'est un vrai problème. Mais elle est belle comme le jour, elle demande qu'à t'aimer. Et t'appelles ça un problème, toi? Mais tu peux pas comprendre. Oh, pardon! Je fais que passer, je suis pas là. Vous m'avez prévu. Ah, c'est sûr, là, je comprends pas. Hein. Fais gaffe, Alex. Hein. Hey, c'est bon, Jacques, ça va. Hein. T'es pas mon père, alors... Oh, 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 je t'ai gentiment suivi jusqu'ici, alors tu vas m'écouter. Laetitia, c'est la chance de ta vie. Et toi, comme d'habitude, t'hésites, là, j'y vais pas. T'es vraiment trop con. Aujourd'hui. 35 ans. Comment j'ai fait ça? Ça va te plaire?
c'est rien ? Non. J'achète la rue de la paix. Non, t'as pas le droit. Tu touches pas la rue de la paix, c'est à moi la rue de la paix. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha ha ! Carte chance. Elle est en prison, avancez tout droit en prison, ne passez pas par la case départ, ne recevez pas 200 euros. T'as vraiment pas de chance, hein. Et tu sais ce qu'il ose me dire, ce grand con de Jacques ? Que vu ce que je fais subir à mes personnages, c'est que je les aime pas. Bah, ce que j'ai lu, ça lui donne un peu raison, hein. Ah non, pas du tout. Parce que moi, je parle des couples d'aujourd'hui. Je les décris tels qu'ils sont, j'invente rien. Mais enfin, toi, tes couples, ils commencent mal, ils continuent mal, ils finissent mal. Mais ouvre les yeux, Laetitia, y a pas un couple qui tient. Et je suis quoi, moi, dans ta vie ? Bon. Mais non, mais ça n'a aucun rapport. Je t'aime, c'est... Non, mais toi, de toute façon, tu sais pas t'engager. Que ce soit avec moi, dans ton travail, avec tes amis, tu sais pas t'engager, Alex. Oh, écoute, Laetitia. Mon espace à crédit, les vacances à la boule, l'armée de marmots, ça m'étouffe. Faut que tu comprennes une chose. Si je vis avec toi, je te perds. Oh, la pauvre phrase. C'est nul, t'es nul. C'est nul. T'es nul. Ah ouais, tu vas voir si le couple, c'est pas nul. Hein, madame. Arrête, Alex. Bonsoir, bonsoir. Une question. Vous vous aimez encore ? Ça ne vous regarde pas. Et puis, monsieur, si vous pouviez parler un peu moins fort. Juste, messieurs, dames, je vais faire une petite vérification. 2 secondes. C'est pour mademoiselle, là, qui est un petit peu trop romantique. Alex, si tu continues, je m'en vais. On va faire un petit sondage. S'il vous plaît, monsieur, pas de scandale. C'est pas un scandale, c'est un sondage. Que ceux qui s'aiment toujours se lèvent. Bah, allez, 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 hein, oh ! Je rentre à Paris. Et puis tu pourras dire à Jacques qu'il arrête son numéro, j'avais compris. Ça va, doucement. Hein. Voilà. Moi aussi, je peux énerver. Là, j'ai entendu. Ouais, tout ça va. Oh là. Je me suis fait flasher. Marche trop vite. Oh, c'est comment ? Waouh ! On a fait ça. La boîte, la choucroute, dans le four. C'était joli. Joli. Il faut que tu saches que... Même là-haut dans le ciel, ton papa continuera de te protéger, d'accord ? D'accord. Papa ? Ah. Je vais te prendre en photo pour montrer au copain. Ah mais, Eugène, tu nous attends dans le couloir, ton papa est fatigué. Ah. Et Laetitia, elle est où ? Elle rentre à Paris. Non, je te jure, il a foutu sa boîte de choucroute dans le micro, il a pris la porte du micro-ondes dans la gueule, j'ai jamais vu ça. Attends, excuse-moi, je te laisse. C'est Monsieur Jussaud ? C'est ici, oui. Bonsoir. Alors, Monsieur Jussaud, comment vous vous sentez ? Ça va ? Vous avez mal ? Non, pas vraiment. Bon, bah, c'est bon signe, ça. En revanche, j'ai froid aux yeux. C'est pas bon signe, ça. Pardon ? On va le garder une semaine en observation. À cause de la choucroute ? J'ai tout lieu de penser qu'il nous couve une dépression. Ah non, non, mais vous y êtes pas. C'est une fausse dépression, c'est moi qui l'ai demandé. C'est ça, moi. Je suis vétérinaire, moi. Non. Je veux pas rester en Normandie. Je veux rentrer en France. Jacques, c'est que 8 jours. 8 jours. Tu feras attention avec Eugène, hein. Pourquoi Eugène ?
Merci, Alex. T'es un frère. Oh, Eugène, oh, ça va pas ou quoi, là? Qu'est-ce que tu fous sur mon ordi, là? Je corrige tes fautes d'orthographe. Ah bon? Il y en a beaucoup? Non, il y a surtout des fautes de syntaxe. Pourquoi, tu veux que j'arrête? Non, vas-y, continue. Bonjour, monsieur Alex. Voilà votre courrier. Et puis, j'ai aussi une lettre de la part de votre ami. Passé, Wistreham. On peut parler d'autre chose? D'accord. Je suis ravi de rencontrer vos parents. Oui, enfin, c'est surtout pour vous l'occasion de visiter l'exploitation. Bien sûr. Vous n'aviez rien prévu ce week-end? Ah bah, rien de mieux que de partir avec vous. Vous aimez l'orangeade? Je vous ai rien dit. Non, je l'ai juste vu monter en voiture. Avec le monsieur. Quel genre? Un monsieur jeune, bien mis. Vous avez un job à côté? Il avait une gourmette. Ah oui. Présente Pierre-Yves de Tailly, c'est notre nouveau directeur commercial. Oh, enchanté. Une petite orangeade? Volontiers. À la fraise ou à la menthe? Fraise. Eh ben, je m'occupe de tout, ne bougez pas. Je viens de donner un coup de main. Je vous laisse faire connaissance. Quelle région magnifique. C'est loin, mais c'est beau. Hein. Loin de quoi? Loin de rien. Il est bien ton nouveau, hein? C'est pas mon nouveau, maman. Ah bon? Tu es toujours avec... Comment il s'appelle déjà? Alex. Il s'appelle Alex. Excuse-moi de pas m'en souvenir, ma chérie, mais faut dire qu'il est jamais venu nous voir, il nous a jamais invité nulle part. Il a toujours installé une distance, je trouve. Ouais, oui, ça c'est sûr, la distance, c'est sa spécialité, ouais. On connaît rien de lui. Tiens, par exemple, ses parents, il nous les a jamais présentés. Bon, ben ça, c'est normal, ils sont morts. Bah, il aurait pu nous emmener les voir au cimetière, hein. Vous connaissez le point commun entre une hirondelle et une commode? La commode, c'est un meuble, l'hirondelle, c'est un oiseau. Voilà. Non, crois-moi, ton Alex, il est un peu comme ton père. Ah bon? Quoi, papa? Les hommes, il leur faut un électrochoc pour qu'ils comprennent. Moi, si j'avais pas couché avec Louis. Louis? Louis Franval? T'as couché avec Louis Franval? Le vétérinaire, là? Tu m'avais jamais dit. Non, j'ai oublié de le dire à ma fille. Non, mais où ai-je la tête? Mais rassure-toi, ça s'est très bien passé, hein. Mais il fallait bien imaginer quelque chose pour que ton père comprenne que s'il venait pas vivre avec moi, il allait me perdre. Vous avez jamais pensé à changer de nom? Les perles du soleil. Sun Pearls Oil. Ça sonne bien pour l'international, non? Ouais, mais ça sonne faux pour le régional. On s'appelle les huiles Cosso depuis 6 générations. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Même si ça vous fait loin pour venir. Ça va? Ouais, ouais. Allô? Allô, allô? Pourquoi tu mets un pot de yaourt sur ton téléphone? C'est pour filtrer les appels et comme ça, compliqué, Eugène. C'est très compliqué. C'est une histoire d'adulte, je sais pas. Je suis malheureux, Eugène. J'aime Laetitia, elle s'est barrée. Et je voudrais savoir si elle a un autre homme dans sa vie qui a une gourmette. C'est pour ça que je mets un yaourt sur mon téléphone. C'est con. Allô? Allô, oui.
Bonjour, je voudrais savoir si Pierre-Yves est là, s'il vous plaît. Ah oui, ne quittez pas, je vous le passe. La salope. C'est sublime. Ah, cette terre, tous ces oliviers, là. Comme si leurs racines vous prenaient au trip. Ah, c'est normal. Toute ma famille a été enterrée dans ce champ. Chaque olivier, c'est un de mes ancêtres. Là, c'est tonton René. Ah, et puis là-bas, là, au fond, là, c'est l'amie Jacqueline. On l'appelait mamie compote. C'est émouvant. Ouais, mais c'est pas vrai. Mais faut pas me faire ça, moi. Je crois tout ce qu'on me dit. Je suis hyper premier degré. Moi, j'aime bien. Ce soir, quand tout le monde sera couché, vous viendrez dans ma chambre. Là, je l'ai vu venir, là, quand même. Non, non, je suis sérieuse. Bonjour, madame. Tu peux m'appeler Odile, si tu veux. D'accord, madame. Vous en avez pour longtemps ? Une petite heure. Je vais nager. Ah, vous êtes sportif, hein, c'est bien. Il y va pas pour le sport. Il y va pour se calmer. Parce que Laetitia est partie en week-end avec une gourmette. Faut vraiment que j'aille nager. Bonjour, vous savez quand votre ex était là. Vous venez pas vous baigner ? Si. Ouais, peut-être non. D'un autre côté, j'ai envie, mais je suis pas sûr d'y aller. Et m'aider à sortir, vous avez envie ? Ah oui, bien sûr, oui. Non, c'est pas drôle, là. Ah, il est froid, là. Oh. Venue, Reva. Oh, c'est pas marrant, là. Qu'est-ce que vous faites, Pierre-Yves ? Je sais pas. Je crois que vous avez votre main sur mon sein. Je sais pas. Thank you.
suis désolée, Pierre-Yves, je sais pas ce qui m'a pris. Je voulais juste vérifier si j'étais amoureuse d'Alex. Et ? Bah oui. Ah. Mais c'était bien, hein ? Ah bon ? Ah oui, ouais, vraiment, c'était bien. C'est vrai, ça vous a plu ? Ah, super. Surtout le début, là, quand vous... Vraiment, c'était bien. Ah bon ? Oui. Et le solo au milieu ? Le solo, un peu trop solo. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai senti aussi. Non, mais le rappel. Oh, le rappel. Oh, c'était bien. Ah ouais. Oui, il y a une C'est vrai. Ah ouais. Ah bon, bah, ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce que moi, le rappel, c'est ce que je préfère. Ah bon? Ouais. Ah bon, on est deux. Ah, c'est cool. Bon, vous m'en voulez pas? Non. Ah non, bon. Non. C'est mieux. Non, non, ça va, c'est pas grave. Pas de soucis. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, je vois pas. Un peintre, Guernica, non, ça vous dit rien? Je vois pas. Ah ben, bah, et c'est aussi une voiture. La Picasso. Enfin, Picasso. Il n'y a pas le là. C'est un monsieur. Ouais. Le dernier train en provenance de Wittréal rentre en gare, pièce numéro 27. Prochain départ dans 10 jours. Alex. Jacques. Comment tu te sens? Ça va. La tour Eiffel est encore là? Oui. Ils ont rien enlevé pendant ton absence. Par le périph', hein, t'es au courant. Non, je déconne. Eugène? Il va bien. Il est chez la gardienne. Alex, je me libère, je me rassemble. Je me retrouve. Comment va Laetitia? Les taxis, c'est juste à gauche, là. Non, mais je préfère qu'on marche un petit peu, hein. Paris, Paris, Paris! Tu sens? Tu sens comme ça pue? Hein? Ça, c'est Paris, ça. Goûtez-moi ça. C'est une nouvelle recette. C'est un maquis saumon. Avec encore un truc, mais je sais pas quoi. Mais moi non plus, je ne sais pas. Vous savez que ça peut être toxique, madame Tanaka. C'est pas toxique. Je m'en sers pour la douche. Vous êtes seule ce soir? Disons que je serai peut-être seule à partir d'aujourd'hui. Ok. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Laetitia. Laissez-moi un message. Ouais, c'est moi. Ce serait peut-être bien qu'on se parle. Donc, je te propose ce soir, 20h30 chez Tanaka. Bonjour. Bonjour. J'ai eu ton message. Tu voulais me voir, qu'est-ce qui se passe? Tes parents vont bien? Oui, oui, ils vont bien, oui. C'est sympa d'avoir ses parents. Seuls. Alex, c'était toi au téléphone avec le pot de yaourt? Non. Oui, d'accord, peut-être, et alors? Ça change quoi? T'as pas traîné pour le présenter à tes parents? J'imagine que ta mère se voit déjà au milieu des oliviers en train de changer les couches. Alex, c'est un week-end de travail. Ah ouais, vous avez travaillé sur quoi? L'évolution de la gourmette? La préhistoire à nos jours? Bon, tu veux la vérité? De préférence, oui. Ce week-end, en fait, chez mes parents, je me suis rendu... Ah, vous êtes là? Oh, j'ai cherché une brasserie avec un peu d'accordéon. Tout est fermé. Et t'as laissé le petit chez moi, tout seul? Ah non, il est pas tout seul. J'ai mis un petit peu de musique. Tu te rends compte qu'il a jamais vu de 33 tours? Mais t'es con ou quoi, mes vinyles? Ça va, Laetitia? Tu viens toujours à mon anniversaire demain soir. T'as pas oublié? Bravo pour ton César. Hein? Pour ton rôle dans le grand dépressif de Wistreham. Chapeau. Thank you.
elle fait ça? Eugène. Eugène? Oui, ça peut être lui. Enfin, je procède par déduction, hein, sans parti pris, sans volonté d'accuser. Peut-être une impression. Il écrit plutôt pas mal pour un gamin de 8 ans, non? Jacques, je crois que tu nous dois une explication. Moi ? Oui, Jacques. Bravo pour ton César. Ah oui, je me souviens. Oui, bien sûr, oui. Ah oui, je suis désolé, hein, je sentais bien que Manu Reva sentait avec son mec là qui était méchant. Bon, résultat des cours, Jacques, tu vois, il s'en prend à mes affaires. Ouais. Bon, je vais y aller. Je vous laisse ranger, hein, je suis crevée. De toute façon, tu passes nous prendre pour la soirée de Jacques. J'ai le choix. Dans la bagnole, t'as bien vu qu'elle se taisait. Ah, ça, je peux pas juger, moi, j'étais sur la banquette arrière. Oui, mais même de dos, elle a pas parlé. Ah, oui, ton dos se taisait. Peut-être que son visage parlait en silence. Mais tu m'emmerdes, Jacques. Faut que je lui parle. Je sens que je suis assis sur une bombe, là. Elle me teste. Je suis sûr qu'elle a tout compris. Hé, les gars, il me reste un peu de champagne, parce que la table là-bas, ils ont tout vu. C'est des porcs. T'as pas vu Laetitia? Ah non? Elle est là? Bah oui, elle est là. Je me demanderais pas si elle était là, si elle était pas là. Et là, je sais pas où elle est, alors je te demande où elle est, puisqu'elle est là. Ça y est, il est noué. Ah, il est chiant. Il aimerait bien que le dos de Laetitia lui parle. Toi, t'es bourré. Chercher. Ça va? Ouais, ça va. Belle fête, hein? Ah ouais. Classe. Bon. Laetitia. Je sais pas ce qui m'a pris. Moi non plus. Laetitia, faut que je te dise quelque chose que j'ai jamais dit à personne. Tous les jours, je pense à toi. Non, c'est pas... Même la nuit, quand je rêve de toi. Je rêve même que je rêve de toi. Et dans les rêves où je rêve de toi, eh ben, je rêve de toi. C'est beau, tu devrais l'écrire, ça. Tu veux que je fasse?
Antonia pour une fille, ça va? Parfait. Et pour le garçon, Lino? Lino? Comme le Lino? Les revêtements de sol? Non, bah non. Comme Lino Ventura. Lino Ventura ou les tapis, c'est parfait. Pas ces gâteaux de Jack. Oh si, regarde. Non, non. Tu mets comme ça. Arrête, ça se voit là. Attends. Arrête. Là. Arrête. Non, touche pas ça. Arrête. Oh le kiwi. Maman. Ouais. Oh. Ah oui. Ça, évidemment, j'aurais dû le voir venir. Bon appétit. Bon appétit. C'est quoi? Un cadeau. Enfin, un cadeau pour nous deux. Où? Ben, ouvre. C'est... Antonia ou Lino. Antonia ou Lino. Bien sûr. C'est marrant quand même, petit truc comme ça. Ça peut te changer la vie. La petite croix là, ça veut dire que c'est positif. C'est positif. Il va naître dans... 8 mois. Pas plus. La croix, c'est du stylo bille. Ah, d'accord. D'accord, d'accord, oui. Thank you.
took my hand, you showed me how. You promised me you'd be around. Uh-huh, that's right. I took your words and I believed in everything you said to me. Yeah, that's right. Écoutez-moi ça. Non, merci, pas ce soir. Elle est partie. Oui. Vous savez, j'ai lu votre table d'ébène. Ah bon? Je savais pas. Alors, vous en avez pensé quoi de mon bouquin? Votre livre... Attendez, hein. Je traverse une mauvaise passe en ce moment, alors les critiques doucement. C'est une grosse merde. Votre roman est vide, creux. Votre vision de l'amour est mauvaise, monsieur Alex. Parlez-moi comme si j'étais elle. Je voudrais pas vous vexer, madame Tanaka, mais ça va être difficile. Donc, fermez les yeux. Allez. Ça peut vous faire plaisir. Parlez-lui. Coucou. Venez voir Laetitia. Non, c'est, enfin... Elle est à New York. Ah bon? Ouais. Ouais, elle s'est installée là-bas. Ah ouais. L'Amérique. Elle en parlait souvent. Sinon, pour moi, elle vous a rien dit. Il m'a dit qu'il fallait pas que je m'étonne si un jour vous passiez en jouant celui qui passe par hasard. En fait, c'est parce que vous crèverez d'envie de la revoir. Comme quoi elle me connaît mal. Messieurs, nous allons bientôt atterrir à New York. Veuillez relever vos tablettes et attacher vos ceintures. Et n'oublie pas, Alex, que Laetitia n'en a rien à foutre de toi. Mais non. Thank you.
Quel est le mood, hein? Laetitia Cosso, number the room. Je suis français. Moi aussi. Donc la chambre de Laetitia Cosso. Mademoiselle Cosso, bien sûr. Chambre 1500. Merci. Pardonnez-moi, monsieur, je dois la prévenir. Vous êtes? De la part d'Alex. Mademoiselle Cosso? Oui, bonsoir. Gabriel à la réception. J'ai monsieur Alex en face de moi qui souhaiterait vous voir. Pas de problème, je m'en occupe. Bonne soirée, mademoiselle. Je suis navré, monsieur, mais elle ne souhaite pas vous voir. Comment ça, elle veut pas me parler? Vous avez mal expliqué, mais passe-la moi. Non, je suis désolé, monsieur. Quoi, t'es désolé? Moi, je suis désolé. Tu me l'as pas, je veux lui parler, là. Vous ne voulez pas que j'appelle la sécurité? Hi, Merry Christmas. Hey, Merry Christmas. Oh, hi, Steve. Merry Christmas. Ok. Ok, ok, c'est moi. Je me suis emporté, c'est idiot. Pas de problème, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonne soirée. Laetitia, faut que je te parle. Ouvre-moi, s'il te plaît. 5 minutes, j'ai besoin de 5 minutes de ton temps. Fais-moi ce cadeau. Laetitia? Donne-moi une seule bonne raison d'ouvrir la porte. Une seule. Ce soir, c'est Noël. Cinq minutes, pas plus. Si t'es là pour me dire que tu regrettes, c'est pas la peine. Voilà. Je suis pas venu pour les remords, je suis pas venu pour les regrets. Je suis venu pour te donner ça. C'est quoi? C'est tout ce que j'aurais dû te dire avant que tu partes. Mais je suis trop con. Ne me coupe pas si je suis con. Je t'ai pas coupé. C'est qui? Alex, je te présente Mike. Comment ça, Mike? Mike Forrester. Comment ça, Forrester? Hey, Sarah. How you doing? Mais tu t'attendais à quoi, Alex? Me retrouver chez les Mormons en train de prier toute la journée pour que tu reviennes? Tu peux peut-être me trouver débile, mais oui. Bah non. Hey, baby, you know this guy? It's an old connection. Okay. Rends-la heureuse, Mike. Le mérite. Mike, merci pour le débarquement. Débarquement. Enculé d'armère, là! Arrête, Alex! Est-ce que je vais te piquer ta gonzesse, moi? Je vais te péter ta petite gueule! Non, arrêtez! You stop it or I'll hit you! Non! Non! Attends, tu la connais pas, chef, moi!
Oui. T'es où? Quelque part dans New York. Non, mais c'est grand New York. Oui, je sais, oui. Alors laisse-moi deviner. Chez toi, il y a un poster du pont de Brooklyn. Hein? T'as des photos aussi du pont de Brooklyn un peu partout. Mm-hmm. T'as même 3 mugs du pont de Brooklyn. Plus que 2, j'en ai cassé un. Donc t'es sur le pont de Brooklyn? Peut-être. Bon, mais porte-toi bien. Salut. À 2 secondes près, t'économiser un portable. J'ai lu. Alors? T'as pas trouvé qu'il y avait des fautes de syntaxe? Non. Je suis prêt, Laetitia. On dort où ce soir? Ce soir, on dort chez nous. Tu penses d'un grand appartement rempli de lumière avec un gros chien noir dans le couloir? Oui, oui, mais on l'appellera Gourmette. Ok. Gourmette, Gourmette, couchez, pas bouger. Oh, mais c'est Madame Tanaka dans la cuisine. Oui, et ben oui, pour notre crémaillère, elle nous fera des sushis au pitbull et elle nous racontera des blagues. Oh, et puis Eugène. Ah ben oui, je t'ai pas dit, c'est Eugène qui écrit mon prochain roman. Oui, il y a Jacques aussi, mais il restera pas trop longtemps. Et on n'a rien oublié? Non, on n'a rien oublié. Qu'est-ce que c'est que ça? So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I bought a ticket to the world, but now I've come back again. I find it hard to write the next line. I want the truth to be said. Solving the nerves that just begun, listening to Ella all night long. This is the sound. I
slipping from my hands. Sands of time of its own. I find it hard to write the next line. I want the truth to be known. I know this much is true. I know this much is true. It's true. I bought a ticket to the world. But now I've come back again, finding it hard to write the next line. I want the truth to be said. I know this much. I know this much is true.